découvrons le ProSpace Plus. Pour le monter, vous disposez de montants, de lisses de façade, de tasseaux de profondeur, de tubes intérieurs et d'embouts plastiques. Avant d'entreprendre le montage, déterminez l'emplacement du rayonnage au sol. Commencez par emboîter les embouts plastiques sur les montants. Ils n'ont ni haut ni bas, ils sont réversibles, il n'y a donc pas de risque d'erreur au montage. En appui contre un mur, emboîtez les lisses de façade sur les montants en respectant les hauteurs de casse souhaitées. Les lisses de façade s'accrochent aux montants par emboîtement des griffes dans les perforations. Les montants possèdent des perforations tous les 40 mm, ce qui offre une très grande liberté pour le réglage de la hauteur des niveaux. Une fois les deux façades du ProSpace Plus montées, réunissez les façades avant et arrière par l'intermédiaire des tasseaux de profondeur au même niveau que les lisses de façade. Poursuivez la mise en place des tasseaux de profondeur. Grâce au système de griffes, le ProSpace Plus vous permet de fixer lisses de façade et tasseaux de profondeur sur le montant sans la moindre difficulté. Votre structure terminée, il vous reste à placer les tubes intérieurs. Le nombre de tubes intérieurs dépend de la profondeur du rayonnage. 300, 350 et 400 mm de profondeur, un tube. 500 mm de profondeur, deux tubes. 600, 700 et 800 mm de profondeur, 3 tubes. 1000 mm de profondeur, 5 tubes. Parfaitement rigide, les casiers peuvent supporter des charges allant de 100 à 250 kg. Ils peuvent être équipés de plateaux en fibre pour le stockage des petites pièces.